mon arrivée. Des nobles, tout de nobles, c'est à mon arrivée. Des nobles aussi. J'ai tout saccagé, voilà yo. J'ai tout saccagé. Pardon, allez me biper toutes celles qui vont m'amener à la CPI là. Pardon, allez m'amener, allez me biper toutes les femmes bamlékées là qui vont m'amener à la CPI, s'il vous plaît. Depuis les États-Unis, l'Allemagne, je sais pas, Bangladesh, tous les pays où ils vont souvent faire pondre les enfants et laisser là-bas. Bipez-les toutes. Amde. Amon abobé. Dem no gossi. Je prends l'eau, j'arrive, pardon, mes gens. Où sont ces sales femmes-là? Où sont ces sales femmes américaines de merde-là? Allez les appeler. Ngue, on va t'amener. Ngue, Eva Adams, pourquoi tu te caches? Il n'y a pas un bonjour. Tu te caches pourquoi? Pour guetter. Ngue, allez l'appeler. Ngue, elle est illettrée. Ngue, elle ne travaille pas. Ngue, elle est en France pour manger les allocations. Ngue, elle est dans un sac HLM, elle paye 25 euros. Ngue, la bouche pleine de tarot. Bonjour Delta Force, comment tu vas? Hey, l'odeur est là. C'est la maille qui m'a tendu dans sa corps. Mon abonné. I'm so crazy, hein? I'm so crazy. Ouais. Bonjour mes gens, comment allez-vous? J'ai décidé aujourd'hui qu'à ma pause, je fais un petit direct pour dire à mon homonyme d'Ankassé, Karine Richauve. Karine Richauve. Hé hey, la mère, je veux pas. Bonjour la mère. Je vais t'envoyer, je vais te, la prochaine fois qu'elle fait le direct à la maison, non, je vais t'identifier comme ça, ou leur port. Leur port. Parce que là, je vais pas mettre long. Parce que bientôt, ça sera le repas. Je vais pas mettre long. Donc, je venais ici parler à toutes ces femmes, bamlékées, métastasées, là. Que, hein. J'ai même vu dans vos commentaires, chez Richel, là-bas, que, oh, non. Quand vous partez chercher les avocats à Paris, hein, ne partez pas chez vos frères, chez les Camerounais. Parce que les Camerounais sont un genre. Donc, les Camerounais vous ont même laissé. Donc, avant, vous croyez aux Camerounais avocats. Donc, maintenant, vous avez vu qu'ils entrent pas dans vos bêtises. Maintenant, c'est que, hein, il faut chercher les avocats juifs parce que eux, ils sont forts dans ce truc de stigmatisation. Ah bon? Donc, tous les adresses juifs là, c'est sûrement vous qui avez ça. Nous, on le connaît. On ne connaît pas. On ne connaît pas Maître Abdel ou Maître... On ne connaît pas tous... C'est seulement vous, les Bamlékés, qui connaissez ça. Maman, on peut avoir la suprématie comme ça dans le sang. On peut avoir la suprématie comme ça dans le sang. Hein? On peut... C'est-à-dire, on peut se sentir roi dans le vide comme ça dans le sang. Hein? Ngue, Karine Richer. Oui, Richauve. Karine Richauve. Hier, yeah, tu t'es échauffé comment? Oh, où sont tous les Bamlékés là? Venez, faire une pétition. Lancez-moi le direct, le litchi là. On va la porter plainte. Après, c'est devenu que si vous ne la portez pas plainte, c'est moi qui va personnellement apporter plainte. Et maintenant, tu allais intervenir chez la maman là.
sur une autre grosse patapouf. Le Américain là-bas. Là-bas, ça va où tu allais dire que oh, il faut que on va attraper. Non, l'autre a dit que non. Et toi, non, tu les as demandé que ouvre le litier, hein, parce que moi, je n'ouvre pas le litier pour les autres personnes. J'ouvre seulement pour moi. Donc, tu les as excités à la haine. Comme d'habitude, parce que vous êtes une masse comme ça. Vous, les enfants cotisés, là, vous êtes une masse comme ça. Vous excitez les compatriotes Bamileke, après vous les lâchez. Quand on parlait des traites, c'est vous les traites. Vous comprenez, non, c'est vous les traites, parce que les vrais Bamileke ne font même pas confiance aux machins comme toi. Excuse-moi, ce sont des... Tu sais... Quand il faut le respect, je connais respecter. Quand il faut dérespecter, je fais à la même hauteur que le respect. Tu ne mérites aucun respect. Richauve, dents cassées, mbombo, entre nous les dents cassées. Tu ne mérites, appelle même toute la planète. Bamle keke, amène la CPI, maman. Si on m'amène la CPI, il veut dire que je suis importante. Donc, il veut dire que... au moins, je veux toucher le mur où il n'y avait pas un Bagbo. Je veux toujours le mur, il n'y avait pas un Bagbo. Maman, je ne ressemble pas à l'homme, moi, Minga. Je suis moi, je ressemble à moi. Et si je pose sa photo sur ma page, je pose ma photo, vous allez voir qu'il n'y a pas une ressemblance. Voilà. Il n'y a pas une ressemblance. Parfois, vous dites, je ressemble à l'homme, Minga. Parfois, c'est virus et tout ça. Là. Un jour, on vous fouette avec le juge, vous allez dire la vérité. Hein? Oui, c'est ma pause, Lydie. C'est ma pause, Lydie Gaël Bayan. J'espère que tu vas bien. Oui. Menacez, mais je vous attends. Oh. Je pense que vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la citation directe. Je pense qu'aucune de vous, aucune de vous, les femmes, les laides femmes bamlekées que vous avez ouvert les directs cette nuit-là pour moi, là. Je pense qu'aucune de vous n'a jamais fait une citation directe. Mais moi, père de lui, j'en ai déjà fait une à quelqu'un. Donc, j'espère que quand vous allez faire vos citations directes là, vous connaissez, on vous apprend quand même qu'il y a un revers dessus. Il faudrait bien vous renseigner. Vous avez besoin de tout le village pour faire le litchi. Mais moi, je vais sacrifier mon salaire tous les mois pour vous. D'accord? Parce que vous levez-vous tout sur moi. D'habitude, quand je vous coche même, vous n'avez jamais fait le litchi. Le simple fait que j'ai pris le direct de Patti et bas, j'ai décortiqué, ça vous a décrédibilisé. Vous voulez maintenant sortir sur moi. Soit disant, si vous me menacez, je ne vais pas dire les vérités. Il reste sauf que lire. D'accord? Et le prochain direct arrive pour décortiquer quand est-ce a eu cette réunion où les pouvoirs ont été partagés au Cameroun. D'accord? Bande de laides femmes. Avec les fesses comme les marmites qu'on prépare pour recevoir beaucoup de personnes. Allez, dis, j'ai dit. Vous avez dit que je dois prononcer encore Bamleke. J'ai prononcé Bamleke. Bon, qui? Vous pouvez voir que votre sang que vous demandez depuis 2018, là, qu'il faut qu'un sang coule. Vous allez sauf que faire couler pour moi. Mais avant de faire couler pour moi, vous allez sauf que souffrir. C'est ça qui est ça. Bande d'idiotes, les femmes mal baisées, là, elles viennent me parler. Tu es malade. Il faut voir. Je vous dis déjà même, vous toutes les métastasées, là, je vous ai partagé sur ma page. Comme ça, chacun va un peu vérifier le tas de graisse que vous êtes. Tas de graisse avec les tapettes que vous appelez hommes chez vous, là. Parlez, vous n'avez pas honte. Une seule personne, mais Gwendy Rignon, je n'ai aucune team. Je n'ai personne. Je n'ai personne au gouvernement. Mon père n'est pas président. Mais c'est moi qui vous fais trembler juste avec la parole. Et même pas n'importe quelle parole. Les écrits que je lis. Un décryptage d'un direct que je fais. Comme vous avez l'habitude de décrypter pour les autres. Toi, dans Kassé Mbombo, viens ici, Lona. Avec tes fesses là, comme ça, là, comme l'armoire qui est là-bas. Tu dis que quoi? Tu dis que tu es un télo, mais tu ne sais même pas que dans ton propre pays, il y a une chambre de commerce. Tu as voulu exciter la haine contre, contre les Allemands, les escolons. En disant que oh, ton père travaillait, ou c'est ton grand-père travaillait, à chambre de commerce des Allemands, machin. Donc tu croyais que c'est toujours les Allemands qui sont là. Et maman, on peut fuir et détester son pays jusqu'à ce niveau. Carole Bowen, comment tu vas? Bonjour. Mof, Flower, la rose, Mof. Un petit comment c'est comme toi.
Toutes celles que vous avez eues là, c'est celles qui croient, elles dansent la danse de mafia, elles vont devant, elles vont derrière, elles vont devant, elles vont derrière. Quand vous me voyez là, moi j'ai la danse de mafia. Quand vous me voyez là, moi c'est Watana Wata, j'ai la danse de mafia, je n'ai pas la danse de mafia. C'est une TPA dit comme toi, comment on appelle, maintenant c'est que Amer Kamé n'est plus tribaliste parce qu'il baise toutes vos sœurs. Les unes après les autres, ils jettent, ils baisent, ils jettent, ils baisent, ils jettent. Maintenant, c'est que Amer Kamé n'est plus... Vous avez vu Amer Kamé, quelle est la fille quoi qui peut jouer avec Amer Kamé comme vos faux soeurs jouent avec Amer Kamé là. On les prend devant, derrière, tous les orifices, le nez, la bouche, les yeux. On les prend, on les jette. Maintenant, c'est que Amer Kamé n'est plus tribaliste, il est machin, bande de haineux. Bande d'hypocrites. J'ai dit ça, oh, allez avec à la CPI. Minalmi. Gardez-moi les laits de tête là, comme les sauces tarot pilot jaune. Prenez le direct, rajoutez dans vos haines. Coucou, ma madre est dans la place. Applaudissez. Oh. Ma madre est dans la salle. Soigneusement entrante. Je vous présente ici. Je vous présente ici. Je vous présente ici. Ma madre. Ma mère, hein, ma mère depuis la Côte d'Ivoire, ma mère, Francine, la chaîne de la joie de vivre. C'est la madre de Père de Luxe. Du côté de la Côte d'Ivoire, la madre, tu as une fille. Oui, du côté du Cameroun, tu as une fille. Du côté de la Côte d'Ivoire, j'ai une maman. Ça, c'est ma mère, je vous présente. Francine, un peu de cœur pour Francine, la madre est dans la salle, un gros cœur dans ma tête, depuis la position où tu te trouves. Et puis ça chauffe pas. Oui, parce que nous on n'a pas les mères, tchèle. Nous on n'a pas les mères, bordel. Non. Nous on a les mères intègres, les femmes terriblement mariées. Les femmes qui ont fait, on a vu, elles ont montré les preuves, on a vu. Hein? Pas les godeuses, les femmes qui... Elle suce le gode, elle se met le gode. Non, là, Francine, allez vous même faire le tour chez Francine. Allez vous même faire le tour chez la madre, vous allez comprendre qui est femme. Vous allez voir que hein, c'est Dieu qui a mis l'eau dans le coco. C'est pas, moi je ne choisis pas, je vous ai dit que mes mères, même les mamans que vous voyez là, les mamans Mayo, c'est pas n'importe qui, hein. Les mamans Tila, Hélène, c'est pas n'importe qui. Mon grand, quand je choisis, c'est le luxe en personne. Sur le bio en nature, en pur. Allez sur la page de Francine. Bah, la chaîne de la joie de vivre. Vous allez comprendre ce qui est femme. Langa ne mâche pas ces mots. Ça sort comme ça sort. Dis quoi pas toi, ma terre. Depuis la position où tu te trouves. En tout cas, je ne te dis plus tout. Je ne te dis plus rien, toi, mais tu connais. Voilà. Donc, on revient. Parce que, vous savez, quand une maman, quand ma mère entre comme ça, il faut ouvrir, voilà. Parce que elle est, la prochaine fois, je vais venir avec la chaise comme ça. Elle va s'asseoir avec sa couronne. Voilà. Donc, vous croyez que j'ai peur de vous? Vous croyez que j'ai peur de vous? On peut pleurer comme ça? Partout, wombo, toujours là-bas et là-bas. Pakatou, wolo, Père de Luz nous a tués. Je demande à Dieu pourquoi j'ai d'abord commencé. Oh, qui frappa verra oh, oh verra oh lolo, oh lolo. Qui frappa verra oh, oh verra oh lolo, oh lolo. Le premier coup parfois ça fait pas mal oh, le deuxième va finir. Qui frappa verra oh, oh verra oh lolo, oh lolo. Je vous chante votre propre chanson. Vous n'avez pas honte? Maman, métastasé. Nge, je suis en Amérique. Qu'est-ce que vous a énervé comme ça? Qu'est-ce que vous a énervé? Parce que j'ai lu les noms des gens qui étaient à la chambre de commerce depuis 1974. C'est ça qui vous a énervé? Ou bien c'est le fait que l'antinda, là, la chèvre de la République cassée, dent cassée, mambombo, là, dent cassée, chauve, là, vous appelez qu'au secours? C'est pour ça, ou alors peut-être elle veut se racheter, que vous, votre amour avec elle revient. Mais c'est qu'est-ce que vous ne lâchez pas. Quand rancune bat rancune, même après 60 ans, ça ne finit pas. Vous voulez venir me menacer, père de l'histoire. Je vous attends.
Je suis, il y a une qui a dit que, il y a une avec ses narines comme les tuyaux de la SNEC. Elle a dit qu'elle va quitter, je sais pas, sa province ou son pays pour venir à Paris, pour venir chercher les avocatiers. Et on l'a précisé, précisément les juifs. Hmm? Vous vous prenez pour vous dites que vous êtes les juifs. Oh, faites entrer ma mère Lucie. Ma mère Lucie, Abou est dans la place. Ma tête, entre, assieds-toi. Ça, c'est mes mamans. On donne le respect à mes mamans. C'est ça qui est ça. Oui, parce que moi, mes mamans, je les respecte. Je suis pas comme vous, que vous baisez avec les pères qui vous ont mis au monde avec vos mères. Attention, hein. Prenez ça à mener. D'accord? Prenez ça, amenez ça à la CPI. Eh hey Dieu, enfin je suis star à la CPI. Mais bimé coupe. Mais bimé gnac. Que vous êtes quoi d'abord? Les sales femmes bamilékées qui m'ont insulté hier dans tous les directs. Elles sont des mamans d'enfants. On pose leurs photos. On pose ma photo. Moi, je suis maman d'enfants. 4 grossesses. Il y a match. Il y a match. Regardez, je suis toute naturelle là. Sans filtre, sans rien. Il y a match. Hein? Qui quoi? Qui quoi? Vero? Oh, Vero, oh, Lolo. Oh, Lolo. Qui quoi? Qui quoi? Vero? Oh, Vero. Pakatou, pakatou. Oh, Lolo. Toujours les pleurs, toujours les pleurs. Ils demandent à Dieu pourquoi ils sont si pleureurs comme ça, oh. Qui croira, verra, oh. Oh, verra, oh, Lolo. Oh. Franchement, ton djanya avec Kabubo, Bubo, Rabu, Nile, ben, yala, ouais, bon, bon, ben, gouen, con. Si je dis, hein. Dans vos tontines, là. Où vous avez dit hier que, du Camé, bonjour, tu peux dire bonjour, hein, t'es pas obligé de te cacher, mon frère, je t'ai vu. Comment on appelle, dans vos tontines, là, où vous avez dit hier que vous allez ouvrir une quête pour aller chercher les avocats dans la communauté juive pour pouvoir me porter plainte. Vous avez oublié que, dans les tontines, là, il y a aussi les quoi là-bas. C'est seulement la force des Bamiléké dans les tontines, là. Hein? Est-ce que dans vos tontines, là, que ce soit là, ici en France ou dans tout le pays du monde entier, là, il n'y a pas que les Bamiléké dedans. D'accord? Au Cameroun, là, ou les Camerounais, vous n'êtes que 1%. Vous n'êtes que 1%, donc vous n'êtes même pas nombreux. Hein? Et beaucoup comme vous, là, beaucoup entre vous, là, vous faites des sauts métiers comme tout le monde. Vous, et comme la manière, vous êtes économiste, nous aussi, on est économiste. D'accord? Moi-même qui vous parlez là, vous ne connaissez rien de moi. Vous ne savez pas comment je fais mes choses. Vous ne savez pas où je suis. À Paris, c'est tous les jours, il y a mes compatriotes bamilékés qui m'appellent que viens entrer dans la réunion, viens entrer dans la réunion. Moi, j'ai dit que je ne donne plus mon argent dans vos femmes-là. C'est mort. Et quand vous dites que nous, les bassards, oh, nous, les quoi, on a la tête, non, lolo, qu'on ne peut jamais rien faire. Maman? Dans la plus grande association de la diaspora, la plus grande association à l'heure, l'association de l'heure, que Amé Kamé, Ayon, Wad Barodje Mouen, ou Yirbahabang Barodje Sapala Kingdom, so. Donc ça, je parle à mon frère et je parle en patois. Wanda Barodje Rindab Koko Mouen, il faut le respect. C'est pas comme chez eux que tu peux aux toilettes des papiers génie Sandop. Tu peux à tel endroit Sandop. Amé. Bonjour, Enise, bonjour. Donc, la plus grande association de l'heure à Paris, c'est pas un débat, c'est un fait. Et la deuxième grande association qui arrivera à la diaspora, ça sera les Sawa. Et ça chauffe pas. D'accord? On va vous montrer. Vous êtes 1% de la population camerounaise. 1%. Ninonga, vous voulez même menacer parce que j'ai décrypté un direct. Mais, mouf! Attends, allez, prenez le mouf, l'amener à la CPI. Enfin, je vais voir où Barbo a dormi des années et des années. Avec la tête, cerveau rempli d'huile rouge. Croyez que vous voulez me menacer. Père la caca. Oui, je suis père de luxe. Elle me pire. Elle me black pire. Ça vous fait mal. Je ne suis pas un jansan. Je n'ai pas de jansan. Vous voulez que je m'appelle comment que Blanche? Je ne suis pas Blanche, maman. On a vu Blanche qui dit que Blanche va aller. Un jansan peut la tuer. Moi, je suis pire. Elle me pire. Elle me black pire.
C'est pour ça que je m'appelle perle, parce que je me reconnais une perle noire. Et qui dit une vraie perle noire n'est pas donnée dans les bijouteries. Attention. Attention. D'accord? D'accord? Mes vieilles femmes bamlékées métastasées des États-Unis partout là. Je vous mets ça comme ça. Foko koulou. D'accord? Vous êtes incapable. Pourquoi vous n'avez pas fait la même pétition à Patty? Alors que le direct appartenait à Patty. Parce que vous avez peur des bêtises. Et quand? Vous commencez à en avoir peur. Vous avez commencé à avoir peur. Et quand vous savez que chez eux, comment on appelle le Cameroun, l'administration, c'est eux. C'est sur moi. Vous avez fait ça peut-être en Junior Zogo, parce que vous savez que Junior Zogo est maintenant français. Et vous savez que la justice française n'aime pas certaines choses si tu es surtout fonctionnaire. Hein? C'est père de luxe, sa petite fille, Bassa. C'est parce que, oh, père de luxe, c'est Agwenje, Amekame. Ah, nous, on tient Amekame avec nos soeurs Bamleke. Ah, elle a même qui, oh, l'autre affamé là-bas, il suffit de lui donner un maquereau, elle ne parle plus. Oh, vous croyez que je suis seule? Je suis pas seule, maman. Même si je suis seule, je suis avec mon Dieu. Je suis avec même le fou qu'on jette souvent là-bas. Il y a quand même quelqu'un qui passe pour lui donner une couverture. Coucou, Vinette. Il y a une personne qui passe pour lui donner une couverture. D'accord? Ngengue, portez plainte. Ngengue, prononcez Bamleke encore. Ngengue, prononcez. Je prononce Bamleke. Je dis Bamleke. Vous-même, quand vous faites vos discours, c'est pas que c'est nous les Bamleke. Pourquoi vous prononcez si vous-même nous les Bamleke? Pourquoi quand moi je prononce Bamleke, ça vous fait mal? Parce que vous êtes mal intentionné. Ces vieilles femmes métatasées là, que c'était mon nom hier, j'étais une sitar dans leur bouche. J'étais une sitar. Avec les fesses comme je ne sais pas moi, remplies de vergitures. Quand que tu soulèves le ventre comme ça, tu rebaisses l'autre. Hmm? Vous voyez le ventre des perles là? Ouais, mon chéri va me tuer. J'ai failli faire le béagnolo. Je voulais vous montrer mon ventre. Mais c'est que je suis allée montrer mon banglong de tenue. Vous savez, moi, je prends tous les grandes tenues. Comme ça, quand elle vient, elle m'habille. Je mets la tenue sur mon habit. Quand elle finit, elle me déshabille, elle m'en fait. Je n'ai plus à monter mes fesses ou mes seins. Donc, c'est ça. Eh, maman, on peut avoir peur comme ça. Vous envoyez les têtes de moi, pourquoi? Vous avez vos directs aux États-Unis, chez Richauve, là-bas, partout. Vous avez vos directs là-bas où vous pouvez aller défouler votre haine. Même sur mon propre dieu, à Père, oui. Ouh, et Gweson Graphi. Ah, hein? Non, ça, non, mais Gweson en paix. Ouhou. Je suis sûr que quand je parle comme ça, il y a toujours un gars bamleke qui dit qui peut me donner la fille si j'ai la gnox. Comme ça, quand j'ai la gnox, elle va se calmer. C'est pour ça que vos sœurs partent les unes après les autres à Califouchon chez Amé Kamé pour pouvoir dompter Amé Kamé. Amé Kamé, c'est un lion indomptable parce que quand, en ce moment, il a mis sur la page, vous n'avez pas vu celui qu'on a attrapé toujours un autre compatriote bamleke, que Amé Kamé a mis sur sa page en flagrant délit du vol, on l'a attrapé. Mais si c'était un Atangana, on sait qu'on ne respire pas. Si c'était un Wona ou un Jok, c'est qu'on ne respire pas. Mais comme c'est un, ou c'est un choupi, ou c'est quoi? Silence radio. Après, tu vas voir ces sales femmes là dit que nous les Bamleke, on fait la quête. C'est nous la diaspora qui avons travaillé dur pour aller construire les routes chez nous. Menteuse de ton état. Quand on est vieille, on ment moins. Parce que quand on est vieille, on commence à se tirer dans les âges que on appelait amoureux 70 ans. Et si tu restes plus de 70 ans, c'est une grâce. D'accord? Donc, quand on est vieille, on manque moins. Je te rappelle ici, vieille hypocrite, qu'hein, au Cameroun, là, le citoyen camerounais, peu importe qu'il soit seul ou dans une association, n'a aucun droit de faire passer une route, de bitumer une route sans l'accord du gouvernement. Alors, vous, soi-disant à la diaspora, que vous avez cotisé vos argents pour aller passer les routes à l'Ouest Cameroun. Qui vous a donné cet accord-là? Qui vous a donné cet accord-là? Ou bien vous avez arraché ça, ou bien quand c'est vous, c'est normal, vous prenez seulement, vous faites. Qui vous a donné ça? Et c'est ça qui vous a énervé quand il était en train de parler. Parce que je n'ai même pas vraiment rien fait autour si haut.
I'm innocent. Je suis innocent, je vous assure. Et quand je dis que innocent, non, c'est pas l'oncle qui s'appelle innocent. Non, c'est que je suis innocent, vrai, vrai. Coucou, Daniela Medina, bonjour. Je suis innocent. Quand vous voyez le tout-ci, là, le tout-ci, j'ai seulement pu le dire de quelqu'un où j'ai décortiqué. Donc, ce n'était pas moi, j'ai pu le dire de quelqu'un. Elle avait fait son direct. Après son direct, elle a posté les listes qu'elle a fait ses recherches. Donc, ce sont ces mêmes listes-là que j'ai pris. J'ai lu les noms en décryptant son direct que vous voyez maintenant. La meute haineuse des femmes, bah, elle était métastasée de la diaspora, sont tombées hier. J'étais si tard dans leur bouche. Au point où me promettre même un litige communautaire pour m'amener à la CPI par un avocat feuge. Quand vous entendez là, maman, je vous attends. Moi, je vous attends. Noré. Je vous attends. Moi, je vais pas faire le, je vais pas faire le sport. Oui, quand je vais, pendant que je vais aller faire le sport, hein, essaie un peu de laver aussi ton cerveau parce que tu n'es pas à la hauteur de me demander de faire quoi que ce soit. Non seulement tu laves ton cerveau du cambindo. Parce qu'en ce moment, je vois comment ça coule de partout là-bas dans les réseaux sociaux contre toi. Et tu oses venir parler que je fasse le sport. Est-ce que tu sais que je mets du 38? Après 4 accouchements, est-ce que tu sais que je mets du 38? Montre-moi l'une des femmes là que tu supportes souvent qui met le 38. Même le 40. Laquelle d'elles que tu supportes met le 40? Et qui ont fait 4 maternités. Mais quand, c'est-à-dire, ou c'est la moquette que vous fumez souvent, ou c'est la sauce jaune que vous passez par les sondes d'ici là au lieu de boire, c'est-à-dire parfois vous faites des comparaisons qui n'ont même pas ni la tête ni la queue. Tu viens parler à une maman qui a eu 4 maternités d'aller maigrir, pourtant la maman elle fait du 38 et elle fait du 36 qui a de l'élastique. Tu oses dire que elle live maman, bon. Du cas, Mahindi, je te laisse un peu aux femmes là qui te nettoient en ce moment. Pardon, passe. Peut-être il fallait que je te laisse cacher. Il fallait pas que je te remonte, mais il fallait que je te remonte pour que je te montre que tu n'es pas caché. Je t'ai vu. Voilà. Ngue CPI. Isa, tu réponds même quoi? C'est du Kamahindi qui apprend d'abord à se laver avant de venir parler des choses et des poids. Ne le réponds pas laver. Il aime bien. C'est qu'il aime bien tirer l'attention. C'est un abeille. Les abeilles aiment quand il y a l'attention sur eux. Non, je n'arrange pas. Maman, je n'arrange pas. Et en fait, toi aussi, fais un direct au travail comme ça. Tu nous montres en tenue, d'accord? D'accord? Fais un direct au travail. Tu nous montres comment tu es en tenue. Hein? D'accord? D'accord? Valentina, les chèvres. Bon, bref. Je te suspends même d'abord, parce que là, tu me distrais sur ce que je suis en train de dire. Je te suspends d'abord. Parce que du cambindo, c'est un dérangeur. Faut pas qu'il vienne me faire. Il va attirer l'attention sur lui. Ces enfants qu'on a payés là pour détruire d'où ils viennent. On les paye par les mots. Oh, ngue, je t'aime. Voilà, donc je te suspends d'abord, comme ça, les vrais gens causent un peu. Tu vas me distraire là. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. Que, les A, même qu'on bébé ou on. Que, c'est pas le premier qui allait à Bamenda qui parle anglais. Que, c'est pas l'être humain qui a mis l'eau dans le coco. C'est Dieu qui a mis l'eau dans le coco. Donc, nul ne connaît comment l'eau a fait pour se retrouver dans le coco. Que, je vous attends. Jérôme, depuis la Réunion, bonjour, comment tu vas? Sakalé? Voilà encore une haineuse. Donc, je croyais que je l'avais bloquée hier, hein. Elles sont tellement haineuses, ces races-là. Même pas des races, hein. C'est même pas, ces gens, non, c'est haineux, là. Ouais, il faut que je le dise. C'est haineux, là, il faut que je le dise.
Voilà. Je croyais que je l'avais bloqué. Non, elle vient encore un peu parler dans mon direct là, alors que moi, je vous ai dit où les porcs doivent se trouver. Les porcs se retrouvent à la porcherie. Je vous ai dit ça. Voilà. Comment? Non, je venais ici pour répondre à toutes ces femmes bamilékées métastasées qui ont ouvert les directs hier pour moi là. Vous n'avez pas honte que c'est Karine Richauve qui vous appelle de venir me fracasser alors qu'elle-même seule, elle ne me pouvait pas. Et vous êtes venus comme des zombies à la recherche. Comme ça. Père des luxe. Père des... Elles ont du mal à mettre le luxe. Père les caca. Père les mochettes. Père les regardez-moi. Jusqu'à l'autre, elle a même pris carrément mes photos. Où je suis enceinte. Où j'étais sans enfant. Et où je suis enfant. Mettre sur sa page. Jusqu'à dire que regardez celle qui veut parler des bamilékés. Maman. Quand, moi, hein, ce qui me, vous croyez que les bamilékés sont qui au Cameroun que les autres ne sont pas? C'est ça que moi je ne comprends pas. Vous croyez que les bamilékés sont qui au Cameroun que les autres ne sont pas? Ou bien vous croyez que c'est quoi cette suprématie-là? Hein? Mon petit frère, mon banquier. Bonjour mon banquier, comment ça va mon banquier? Mon petit, bac plus 7, et c'est pas un bamiléké, c'est un bassa. Bac plus 7, banquier, quand on dit banquier, c'est pas la banque de la tontine. La vraie banque, donc avec les vraies fiches de paye. Bac plus 7, c'est pas un bamiléké, c'est un bassa. Et oui, et comme lui, il y a beaucoup. D'accord? Richaud dans cassé, tu as dit hier que, en salbé, elle ne travaille pas. Elle est en France. Dans sa France, là où elle est dans les HLM. À pondre les enfants pour les allocations. 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 Et elle dit hier que... Et ça, c'est valable pour vous toutes les métastasées d'hier là. Que... Allez-vous chercher les pineurs. Allez-vous chercher les pineurs. Des bons pineurs. Pour vous piner. Parce que vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. Chaque chose, vous ramenez ça au tribalisme. Chaque chose, je décortique en direct avec des faits. Qui n'ont ni d'Adam ni d'Ève. Ça devient vous. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Celui-ci aussi, je l'ai d'abord laissé dans mes commentaires. Il a trop jacassé sur ma page. Moi, je vous ai dit que les porcs restent à la porcherie. C'est de ça qu'il s'agit. Les porcs restent à la porcherie. Oh, pourquoi vous laissez mélanger les porcs et les êtres humains? Les porcs restent à la porcherie. C'est ça qui vous énerve, mais c'est la vérité. Merde. On peut provoquer, pleurer et rechercher encore les problèmes comme ça. Hein? Vous n'avez pas honte. La même Carrie Richer a dit comment vos bouches, toutes vos bouches la salive. Et que vous tous, là, quand vous mangez le jujube avec la salive, vous bénissez les gens avec la salive et que c'est, comment on appelle ça, c'est insalubre. Que c'est hygiénique. Non, que c'est, comment on appelle? Oui, c'est insalubre. Et c'est la même Carrie Richer là, qui vous ramène. Et vous venez là. Tellement la haine vous anime. Tellement le tribalisme de l'autre vous anime. Vous venez pour l'aider à bagarrer sa propre bagarre qu'elle a commencé. Ça, c'est pas la bêtise, c'est quoi? Vous avez dit que, je continue à faire. La plus grande association de l'heure dans la diaspora. Oui. C'est l'association des Bassa. Pour le moment, les autres peuples sont encore en train de s'organiser parce que c'est pas trop ça. Comment on appelle? On a encore, parce qu'il y a des manipulateurs comme vous qui les empêchaient de se rassembler parce que vous sifflez dans les oreilles comme les petits serpents. Et vous ramenez avec vous les hommes faibles. À l'heure-ci, la plus grande association, que quand tu as un problème, non, c'est 10 bâtons. Donc c'est 10 000 œufs qu'on tape sur la table.
D'accord? La plus grande association à l'heure, c'est... Et la deuxième qui arrive, ça sera les Sawa. Et dans les Sawa, je serai encore, parce que je suis issu de Sawa. Je serai chez les Bassa et je serai chez les Sawa. C'est ça la force des gens qui sont nés des deux côtés. D'accord? Donc, la plus grande association à l'heure-ci est que nous, on ne fait pas. On ne fait pas les quêtes pour amener les gens à la CPI. On n'a pas le temps pour ça. Parce que notre propre CPI, c'est notre bouche. Vous ne pouvez pas avoir la bouche qu'un Bassa. Ça, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc, la plus grande association de l'heure, que même quand on vous invite, vous venez tout avec vos tissus, avec vos chiffons là, parce que vous voulez vous imposer partout, c'est Ndabikoko. Ce n'est pas un débat. C'est à vérifier et c'est vérifiable. 3000. On est 3000 adhérents. D'accord? Les 1% là. On est 3000 adhérents. Ça, c'est que la diaspora. Hein? Donc, ne parlons pas du Cameroun. Donc, quand vous tapez les mains dans la poitrine, là, nous sommes des fiers, nous sommes des forts, nous sommes... Ça, c'était avant. Quand le vivre ensemble nous fermait encore les yeux. Mais, c'est pour ça que je dis souvent que je remercie. Moi, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, je n'ai pas honte d'imiter le bon exemple. Je remercie le professeur Maurice Kamto. Papa, merci. Et papa, merci. C'est pour ça que moi, je ne peux jamais vous manquer le respect. Je ne peux jamais vous appeler par les petits noms. Parce que j'ai le respect pour la personne que vous êtes. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Attends. Sinon, on allait nous... Eh, Seigneur! Dans le vivre ensemble, là, non. On allait nous vendre même les tombes. Eh, quelle souffrance. Seulement le peu qu'on a essayé de vendre, là, on ne respire plus avec. Avec nos acheteurs. Les acheteurs encore. On ne respire plus avec les acheteurs. On a vu les gens acheter des choses ici en France, mais après ils sont rentrés, tout est resté. On a vu les gens acheter les immeubles ici en France, mais après ils sont rentrés, tout est resté en France. Bon, je vous ai dit, Abassa, jeune Bassa, vieux Bassa, rejoignez le mouvement Ndabikoko. Rejoignez le mouvement Ndabikoko. À Betty, rejoignez le mouvement Betty et Kang. Au peuple Sawa, rejoignez le mouvement peuple Sawa. Bafia, pareil. Bamoun, pareil. Que chacun d'abord aime d'abord le chez-soi. Avant de prétendre aimer les autres. Parce que dans l'autre, là, qu'on dit qu'on nous impose, là, c'est la tromperie. On nous trompe. C'est ça qui fait aujourd'hui que les femmes métastasées, là, se disent être trop puissants. Je ne sais même pas dans quelle puissance ils sont. Peut-être, je ne sais pas dans quelle, je ne sais pas quelle essence on les a versées pour avoir la puissance comme ça. Mais en tout cas, ça a vérifié. Parce que moi, quand ma fiche de paie vient, c'est pas écrit que le cap de la société telle a payé madame telle. C'est pas écrit comme ça. Hein. C'est écrit que le blanc a payé madame telle. D'accord? D'accord? Donc, c'était ce que je voulais dire. Là, je m'avais donné à manger. Là, je m'avais m'occuper de mes malades, bien sûr, bien évidemment. Et vous savez que quand Père l'a dit, Père le dit, n'en déplaise. Pardon, la seule chose que je demande à mes followers, parce que même les sales femmes bamiléko aux grosses fesses là, d'hier soir là, on dit que j'aurai personne qui va venir auprès de moi. La seule chose que je demande à mes gens, c'est que pardon, quand je serai à la CPI, ramenez-moi les nourritures qui donnent la force, s'il vous plaît. Ne me ramenez pas les pizzas, les machins, ça n'a pas la force, pardon. Ramenez-moi parce que je vais faire trop d'années là-bas. Il faut me ramener... Les trucs comme le héros, ça donne la force. Vous me ramenez le ndolé, ça donne la force. Vous me ramenez le zom, ça me donne la force. Vous me ramenez le kelen à la façon des nordistes, ça donne la force, pardon. Ramenez-moi le coq, le mbongo, pardon. Ramenez-moi le hachoué, pardon. Ramenez-moi l'oncui, mais pas le tarot, parce que j'aime pas le tarot. Ramenez-moi l'oncui,
le congrès de chèvre. Parce que je sais que ce n'est pas tous les Bamlékés qui sont derrière vos conneries là. Donc, ceux qui apprécient ce que je dis, les Bamlékés qui apprécient ce que je dis, ramenez-moi le congrès. Et le cuit, ne me ramenez pas le tarot parce que je ne supporte pas. N'oubliez pas perdre parce que je serai à la CPI. Je serai à la CPI. Qui m'a envoyé? Je serai à la CPI, Dieu. Oh, God. God is the family. Oh, God. Oh, God. Who give me the God? Bon, je vous laisse. Eh, maman Lucie, eh, ne m'oublie pas. De temps en temps, vous passez au marché, vous m'achetez les caleçons. En tout cas, j'ai confiance à vous, mes mères et mes pères, là. Votre petit père là sera enfin de cellule. Enfin, il va toucher le mur que Papa Bagbo avait touché. Bon, je vous aime. Je vous aime bien. Moi, je m'en vais. Vive Dabikoko, Bertine, ma mère. Vive Dabikoko. Vive des... Ah oui, vive. J'attends aussi. J'ai vu que les Sawa ont commencé là. Dès que je vois où ça se trouve, ma mère. Je suis Sawa demain. Et Yabassien font partie des Sawa. Donc, je suis là-bas. Même chez les Sawa. Namala, Owone. Namala. Hein? Donc, c'était ça, c'était l'unique père de l'Église, la dame de la vérité, comme d'habitude. À toutes ces femmes métastasées, bamlékées, là. Je vous dis que je vous emmerde. Avec vos plaintes et tout ce qui va avec le litchi et tout ce qui va avec. Faut qu'on coule, bande de pédérastes. Bonne journée, non, et bon week-end. Je m'en vais m'occuper de mes patients, pardon. Bisous, maman Lucie. Bisous, Enis. Bisous, maman Bertine. Bisous. Bisous, maman Hélène Nour. Bisous. 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 bisous encore à qui ici, là? Martine Ecom, bisous. Jérôme, bisous. Daniel Medina, bisous. Rostan, mon petit frère banquier, bisous, bisous, la manio bien, la maillon, mais soigneur, Isabelle, bisous, bisous à vous toutes, eh, pardon, j'ai oublié d'autres, eh, maman Louise, eh, Ali, bah, le banque, le banque, on aime ces pays, banque, le banque, on aime ces pays, donc, au soir, on aime, bisous, bisous à tout ce monde, et à très bientôt, hein.